Guerrier, conteur. Je suis à l'origine du projet Conte Poilu, qui a été sélectionné en 2017 par l'OFAGE sous le titre Erzähl mir vom Krieg, raconte-moi la guerre. Hallo, ich heiße Florian Pfeiffer. Ich war in diesem Projekt beschäftigt mit der Übersetzung und bin gleichzeitig auch zu einem Geschichtenerzähler geworden. Bastien Lavastre, étudiant éducateur spécialisé à l'IFM de Nîmes, et durant ce projet, j'étais régisseur son et lumière et également animateur du débat. Bonjour à tous, je m'appelle Ilias Gien, je suis en formation d'éducateur spécialisé à l'IFM de Nîmes, et durant ce projet, j'étais chargé de l'administration, des prises de photos et des comptes rendus de chaque intervention. Je m'appelle Camille Lehoux, je suis en première S au lycée Philippe Lamour et j'ai participé durant la semaine en Allemagne à la régie et au débat. Lou Haas, élève en première S au lycée Philippe Lamour à Nîmes. J'ai aidé à la technique et me suis occupée des débats lors de la semaine en Allemagne. Puis bon, le fait de faire comme tu as tendance à tout mimer, mais bon, c'est un jeu de scène. Donc c'est ça, et puis tu peux partir en disant à croire que, tu vois, parce qu'on sent qu'il y a vraiment un sas. C'est mieux de regarder Florian, c'est mieux de regarder Bastien, c'est mieux de regarder là-bas, c'est mieux. Parce que ça, vachement, je cherche. Et c'est dommage parce que tu connais le texte, que tu connais l'histoire, tu vois ce que je veux dire? Et c'est juste ce moment-là, si on peut le travailler. La guerre de 14, je ne l'ai pas connue. Je t'en prie. Ça, c'est super, le regard, tout ça. Je veux dire, les tranchées boueuses, l'humidité qui te transperce les os, les rats, les gros rats qui se faufilent parmi les détritus, qui montent même dans les poches des sacs. Les odeurs mélangées de tabac gris et de merde mal recouverte. Allez, on fait comme si. Maintenant, il y a la musique, c'est ça? C'était ça?
ça que vous dites la merde, vous autres, non? Mais caca. Toi, Florian, tu connais aussi cette histoire de Werner, tu connais ton point de vue? Oui. Tu veux pas venir nous en parler? Oui, je veux bien. Bon, Werner, ja, guter Freund von Duval. Werner hat auch vorne in der vordersten Front gekämpft, hat auch Granaten geworfen, hat auch Granaten neben sich explodieren sehen und hat mit anschauen müssen, wie die Kameraden gestorben sind. Und wie wir haben jetzt ein bisschen Zeit für Sprechen zusammen über die Vorstellung. Habt ihr Fragen? Habt ihr alles bedenkt, dass die Geschichte von Werner und Duval existiert haben können? Ja. Ja, ich glaube schon. Warum? Naja, Freundschaften können sich ja auch immer entwickeln, auch wenn man jetzt aus unterschiedlichen Ländern kommt und wenn die beiden vom Krieg weg wollten, dann hatten ja auch was gemeinsam und wenn die werden kämpfen, dann ist ja klar, dass sie jetzt nicht verstehen und die deswegen töten. Bonjour, je m'appelle Elisabeth Muraté, j'ai 22 ans et je viens de Nantes. Cette année, j'ai fait un volontariat en Allemagne, dans la ville de Dresden. Je suis assistante de français dans un lycée, Berufsschulezentrum professeur docteur Zeiner. Bonjour, donc moi je m'appelle Maya Echeverry, je viens d'Avignon, du sud de la France, et j'effectue un volontariat ici à Dresden. On a accueilli le vendredi 19 mai dans mon lycée qui s'appelle Evangelisches Schulzentrum Pirna, Florian Pfeiffer, le traducteur, et Guy Chambrier pour un spectacle d'ombre. Les élèves ont vraiment adoré. Alors ce jour-là, dans ce pays-là, tout est resté tout noir. An dem Tag in diesem Land ist alles schwarz geblieben. Tout noir. Ganz schwarz. Les rues du village étaient noires. Straßen der Stadt waren schwarz. Les champs étaient noirs. Felder waren schwarz. La montagne était noire. Das Gebirge war schwarz. La mer était noire. Das Meer war schwarz. Tout était